Bouge-toi! Bouge-toi! Ferme ta gueule, sale pute! Ouvre ta caisse! Ouvre ta caisse, dépêche-toi! Dépêche-toi! Allez, ouvre ta caisse! Fais pas la maline, ouvre ta caisse! Tu bouges pas! Allez! Personne bouge! Personne bouge! Vas-y, viens-toi! Occupe-toi des caisses! Il est où le gérant? Dépêche-toi, il est où le gérant? Bouge pas, toi! Bouge pas! Donne-moi ça, là! Bouge-toi! Bouge-toi! Bouge-toi, à terre! Bouge-toi! Viens là, toi! Bouge-toi! Bouge! Voilà! Voilà! Bien, bonjour. Si vous êtes venu nous voir, c'est que vous avez des attentes, des besoins, et nous verrons tout à l'heure qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous aider, vous accompagner dans votre réinsertion. Vous allez d'abord me donner votre nom, si vous voulez, parce que je ne l'ai même pas. Ligard. Vous dites ? Anthony Feucci. Kader. Vous avez quel âge ? 35 ans. 32 ans. 21 ans. Vous êtes jeune. On s'en fout, allez, vas-y. Pour quel motif vous êtes allé en prison ? Pour des conneries. Arnaque en tout genre, enfin en gros, j'ai trafiqué des chèques. Une bagarre a éclaté et ça s'est mal fini pour lui, quoi. On m'a piégé. Il n'est pas décédé. Compte tenu de votre attitude, je pense que nous allons en rester. T'as vraiment une tête de merde. Et vous avez pris combien ? 2 ans et 10 mois. Vous avez une mise à l'épreuve ? De 2 ans. D'accord. C'était la première fois que vous alliez en prison ? Non. Non ? Combien de fois, approximativement ? Arrête de me parler comme ça, là. Mais arrête, vas-y, va au but, tu veux quoi ? Je sais pas, vous aurez pas un endroit, une piole où je peux crécher ? Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir un petit peu ce que vous avez envie de faire. Attends, je sais pas, n'importe quel job, quoi. Quelque chose qui m'apporte de l'argent rapidement. Il n'y a rien envie de faire. Vous n'avez rien envie de faire ? C'est ma mère qui m'a dit de venir. La réinsertion, pour moi, c'est un mot qui veut rien dire. Tu te fous de ma gueule, là. Bon, allez. Elle est obligée de raconter sa life, là ? Est-ce que je te pose toutes ces questions, moi ? Non, mais c'est pas moi qui suis venu. Ah là, j'ai envie de me barrer, là. Vous barrez d'où ? D'ici. D'ici ? Ouais. Parce que ? Parce que tu me casses les couilles, là. Tu vas y arriver ? Fais doucement, s'il te plaît. Voilà. Bon, t'es sûr que tu vas y arriver, là ? Vas-y, touche-toi un peu. Touche-toi. Comme ça ? Ouais. Vas-y, continue, continue, continue. Ouais, je me touche. Ouais. Putain. Mais vas-y, je sais pas, là. Vas-y, laisse tomber, laisse tomber. Attends, mais bah, vas-y. Vas-y, lâche-moi la queue. Oh, viens, bon. Je veux pas les vexer. Qu'est-ce que tu fous là ? Ça va ? T'es sorti depuis quand là ? Pas longtemps. Ah ouais ? Et pourquoi t'as rien dit ? Et pourquoi toi t'es jamais venu me voir ? C'est bizarre, non ? Vas-y, je peux entrer ? Non. Qu'est-ce que tu fais là ? T'inquiète, je récupère les affaires, je me casse. Tu veux pas faire du café, s'il te plaît ? Tu m'as fait de ta pute ou quoi ? Tu fais quoi là ? Je te parle. Putain, il est où ? Il est où, mon fric ? Quel fric ? Te fous de ma gueule, il est où ? Je vois que tu parles, c'est pour la chute. Tu vois pas de quoi je parle ? Non. Viens là. Hé, je te préviens sur la tête de ma mère ! Tu me rends pas mon zèle, je te défonce ta gueule ! Je devais faire quoi, moi, Sam ? Ah, je devais faire quoi ? Putain ! Tu me fais chier avec ton fric, moi, je me tape toutes les emmerdes, c'est ça ? Il est où, le môme ? Tu dégages. Il est où, le gamin ? Ça peut te foutre, hein ? Je te préviens, quand je rentre, je veux que tu sois parti. T'as compris ? Ouais, c'est ça, tiens. Mes deux couilles. Putain.
Ça va ou quoi? Dis pigeon après, ça va ou quoi? Viens, ou quoi? Ouais, le retour ou quoi? Ça va, toi, ça fait plaisir. Et tu peux faire mieux ou pas? Ouais, grave, ça fait mieux. Ouais, je sais pas. Ouais, le gros stress, ça va du bon, le gros. Vas-y, dégage d'ici là. Dégage, j'ai des chaussons, là. Il est lourd, ce son. Je sais pas que ça marche. Ouais, je vois que ça graille, ça graille. Ça arrive toujours. Après, on verra pour moi. Comment ils vont là? Qu'est-ce qu'ils disent, les jeunes là? Ouais, je te vois. Oh, mon gars, tu vois, tu es ou quoi, ma gueule? La forme. Ouais, c'est du pas là ou quoi? Il fait froid, tout ça. Ah, il fait froid. Comme t'as grandi. Alors, tu peux là, c'est complet à pleurer ou quoi? Bah non, t'inquiète, la Zarmi frère, voilà, laisse tomber. Et ça doit faire longtemps que t'as pas ta robe. T'inquiète. Attends deux secondes. T'as pas du tosma là, vite fait? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es en manque ou quoi? Mais non, bah, c'est pas pour moi, me la cesse, frère. T'as ou pas? J'ai du school lush, moi j'ai MDMA, CC, B2, ce que tu veux. Vas-y, CC, ça suffit. Viens. Ouais, fais-moi. Voilà, c'est de la bonne. Fais-moi confiance. Ouais, tout ce qu'il faut là. Ouais. Ok. Parfait. Vas-y, donne l'oseille là. Tiens. Vas-y, pas besoin de compter, fais confiance, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, attends, je vais te montrer un truc. Vas-y, moi aussi, je vais te montrer un truc. Donne-moi ton stylo là. Oh Sam, lève les mains! Mais qu'est-ce qui t'arrive là? Mais t'es un ouf toi! Pour Farid, on va leur mettre. Mais merde, c'est Farid, Farid, il est mort! Farid, il est mort! Vas-y, range-moi ça, je te le prends. C'est bon, vas-y, c'est bon, je le range. Eh mais t'es un malade toi! Putain. Vas-y, moi, je me casse, je suis de spi là. Eh mais attends. Eh mais lâche-moi, qu'est-ce que tu fais la caméra avec moi là? T'as un gars? Attends, j'ai un truc à te dire! J'ai un truc à te proposer. Toi et moi, on va aller à Adam. On va pêcher un kilo de C. La vie de ma mère, j'ai un plan là-bas de la patate atomique. Ça qui marche en ce moment. Vas-y, de quoi tu me parles? Tu me parles de C, de dame, que je m'en bats les couilles. J'allais avec ton grand frère, t'étais même pas encore à l'école. Ouais, Tarek, il est béton pour 3 piges pour du bédo. Maintenant, c'est moi qui fais tourner la baraque. Chose, frère, Haja cousin. Putain. C'est. Ouais. C'est frère. Allez, j'ai pas trop ça. Elle est super bonne. Non. Par contre, t'as du crack? Non, j'ai pas de crack. Demain, crack. Eh hey, Sam. Toi, la méthode. Ouais. Ça va toi? Ouais, Shabazz. Alors, petit enculé, qu'est-ce que tu viens faire dans le quartier? Ça fait plaisir, hein. Tu passes même pas me voir? Bah, je suis là. Ça y est, t'as fait tes classes? Ouais. Je fais ma peine tranquille, peinard. C'est bien, maintenant t'es tranquille, t'as vu? Ça s'est bien passé. Arrêtez. Hakim. Je me souviens pas, je le connais, non? Non, tu le connais pas, c'est un nouveau. Bon, dis-moi. Moi, j'ai plein de problèmes là avec les petits jeunes là dans le quartier qui me cassent les couilles. Moi, ce que je te propose, c'est. Passe me voir au resto. Hein? Viens me voir. Vas-y, je vais réfléchir. Tu vas pas continuer à dealer là pour tes petites barrettes là, comme ça? Oh, j'ai de l'acé. Hein? J'ai de l'acé, vite fait. J'ai pas grand chose. J'ai coulé, je dois rediger. Écoute, j'ai un truc à te proposer. Tu passes me voir au resto, on en discute tranquillement et. Pas de problème, je réfléchis et je passe, Inch'Allah. Hein? Je réfléchis et je passe. Vas-y, mais réfléchis vite quand même parce que j'ai pas beaucoup de temps. Hein? Traîne pas trop dans le quartier, s'il te plaît. Vas-y, t'inquiète, je m'arrache. Vas-y. À bientôt, Sam. Ciao, papa. Ouais, rentre bien. Ça va? Non, je t'appelle. Excusez-moi. Allez, bonsoir. Ouais. Excusez-moi, vous aurez pas une cigarette, s'il vous plaît? Une cigarette, c'est... Non, moi, j'en ai plus beaucoup. C'est pas le genre. Ouais, mais j'en ai plus beaucoup. Attends. J'ai deux gros paquets de clopes sur la table, vous voulez pas... Tiens. Je t'ai bien joué, mec. Merci. Ouais, c'est de rien.
Ça va, il y a quelqu'un ici, excusez-moi, je me suis posé. Il y a quelqu'un. Il y avait quelqu'un. Mais la personne, elle est partie tout à l'heure. Donc, il n'y a personne. Donc, voilà. Là, si tu veux, il n'y a personne. Il y a toi. Merci. Ouais, donc je te disais, Félix Pigalle. Ouais. Sympa. Je me présente, Sam. Salut. Aurore. Enchanté, Sam, Valentin. Ça va, Valentin? Ouais, ça va, ça va. Il est sympa, le quartier, non? Ouais, sympa, ici, c'est cool. Elle ne connaît pas trop, mais... Ouais, c'est bien, ouais. Ah, vous connaissez pas? Moi, oui, moi j'ai habité là 2 ans, donc je connais un petit peu, ouais. Non, on est en plein rendez-vous, si tu veux. Voilà, on se connaît pas, on se connaît un peu, mais pas encore. Désolé de vous déranger. Je suis vraiment désolé de vous déranger. Ben, ça va. Je veux juste me poser 5 minutes, fumer une petite clope, tranquille. Écoute, pose-toi, il y a de la place. Vous voulez pas un peu de thé? J'ai un peu de thé sur moi. De quoi? Un peu de coco sur moi. Non, pas moi. Non. Non, toi, je sais pas. Non, moi, je touche plus à ça. Tu touches plus? C'est de la bebon à tes mix. Des cailles de poisson. Des cailles de poisson. Tu connais ou pas? Ouais. J'ai 2-3 jets à liquider, là, si vous voulez. C'est ce qui me reste, hein. Franchement. Sinon, je la vends pas. Hein? C'est à combien? 100 balles. Ah ouais, carrément. Ouais, je te fais un prix parce que t'es mignonne. Je te la fais à 80 balles. 80. Mais pas moi. Ça te dit ou pas? Ouais. Tiens, tiens. Vas-y, prends un peu, va là-bas. Va aux toilettes, goûte et dis-moi après ce que tu penses. Ok? Hein? Ouais. T'inquiète, Valentin, frère, elle va kiffer. Tu vas la pêcher direct après. Les meufs qu'on apprenne, je te jure, bah, tu connais. Bah justement, c'est pas automatique. Mais... Pour les camés, c'est relou, tu bandes pas bien et tout, tu vois. Mais elle, tu vas la pêcher direct. Là. Ouais. Tu vas voir, elle va être chaude de ouf. Ça va? Je t'appelle comment? Vas-y, je te parle. Tu peux aller boire un verre? Non. Oh, t'as un joli chapeau. Hein. Voilà. Merci. Tu peux me rendre mon chapeau, s'il te plaît? Je te le rends. Tu peux me rendre mon chapeau? Je te le rends. Merci. Comment? Oh, tu veux pas aller boire un verre, vite fait? Non, merci. Oh, mais vas-y, arrête de faire genre... Lâche-moi! Lâche-moi! Je te dis, tu me lâches. Putain, c'est pas vrai, ça. Connard, là. Julie ? Bah attends, s'il te plaît. Quoi ? Bah attends, oh, 2 secondes. Quoi ? Je vais te parler 2 minutes, c'est tout. J'ai pas envie de te parler, ça sert à rien, là, t'as pas compris ? Bah déjà, je suis désolé pour la dernière fois. M'excuse. T'es désolé. Quoi, que si ça te fait rire ? Bah ouais, ça me fait rire, genre tu t'excuses là, c'est bon ? Oh, vas-y, sérieux, viens, on va parler. Et voilà, on se pose 2 secondes et on parle. Je t'écoute là, tu vas aller où ? Je vais te parler du gosse. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de le revoir un peu. Mais t'as rien compris, toi. Comment ça, j'ai rien compris? C'est mon fils ou pas? Bah, t'en as rien à foutre de ce gosse? J'en ai pas rien à foutre. Bah, si, t'en as rien à foutre, arrête. Arrête. C'est bon, tu me saoules. C'est quoi, genre, t'arrives, c'est bon, tu t'occupes de ton fils, c'est ça? Vas-y, j'ai changé, j'ai envie de changer. Là. Ah ouais, t'as changé? Ouais. Thank you.
bien, mon cœur? Tu viens faire la moule? Non, allez. Ça va, t'inquiète, je suis en train de taffer, moi aussi. Allez. T'as froid, tu veux te réchauffer? J'ai de la bonne C, du pétra. Viens, amour. Vas-y, va te laver le cul, j'arrive. Allez, lâche-le, là. Wesh, Lilou. Ça va, biche? Bien ou quoi? Ouais, ça va. Peut-être tu peux m'arranger quand même un peu. Ah, t'inquiète, je t'arrange, je t'arrange. Hein? Attends, moi. Ouais, on a tous. Aïe, C'est bon, doucement. C'est pas moi, il l'a trouvé par terre. Dis-lui que je l'ai trouvé par terre. Ouais, j'ai trouvé par terre. Vas-y, fais pas de choses sur la tête de ma mère. Tes papiers? J'ai pas de papier. T'as pas de papier? Ouais, je marche, je suis pas loin de chez moi, là, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, t'es sûr que c'est lui? Bien sûr que c'est lui. Mais quoi, c'est moi, je le connais pas, ce mec. C'est qui, toi? Allez, on l'embarque, allez. Mais qu'est-ce qu'on l'embarque? Ouais, c'est quoi votre délire, là? Allez, on y va, les gars. Rentre! Vas-y, rentre, allez, je te dis, là! Doucement, doucement! Ouais, je vais niquer ta mère! Bon, vas-y, on fait quoi là? Tu sais que t'es dans la merde. Vas-y, je m'en bats les couilles, je suis pas dans la merde, j'ai rien fait moi, j'avais rien sur moi, je suis tranquille. Vas-y, rien à me reprocher moi. Non, t'as rien fait. Non, j'ai rien fait, je sors de prison, je me balade pépère, vous venez me casser les couilles là, comme d'habitude. Des frics, de la coke, du crack. Pour un mec en sursis, c'est pas mal quand même. Eh, je serais toi, je me ferais du souci. Mais toi, ferme ta gueule toi. Toi, ferme bien ta gueule. Parce qu'avec ta petite tronche de tapette là, je vais te défoncer. Ouais. T'es nerveux d'un coup là. Écoute-moi. Abbas, tu sais le mec qui venait te voir là? Cet enculé, il pense qu'il peut venir grailler chez nous sans payer l'addition. Tu trouves ça normal? Quoi? Je suis pas au courant, je vois pas de quoi tu parles. Bien sûr. C'est pour ça qu'on vient de te péter en train de vendre de la cam au travelot. Écoute-moi. Il faut juste expliquer à ce mec les règles. Et les règles, c'est quoi? C'est le partage. Mais je comprends pas, tu veux que je fasse quoi? Hein? Que tu deviennes son pote, comme avant. Ah ouais? Bah, tu vois, c'est pas compliqué. Non, vas-y, ferme ta gueule, toi. Et si ça foire, je deviens quoi, moi? Toi, tu t'en bats les couilles. Ça, c'est pas ton problème. Mais qu'est-ce que c'est pas mon problème? Allez vous faire enculer, vous risquez rien avec vos insignes de PD, là. Détends-toi, quoi. Quoi? Détends-toi. Mais toi, détends-toi, je vais t'enfiler, tu vois. Tu vas te détendre direct. C'est bon, t'as fini ton cirque? Devenir son pote, comme avant. Ah, mais t'es sérieux, toi? Tu veux que je fasse la poucave? Mais non, je vais rien faire du tout. Vas-y, laisse-moi, toi, descends. Vas-y, freine, petite tapette. Tu défourras avec vous, vous. Mitraille, vas-y, à toi, vois. Je vais voir, toi, si t'y arrives. T'y arrives ou pas? Attends, ce qu'on va plus dire, c'est bon, c'est bien lavé, là. On va finir par le shampoing. On va te laver, là, les cheveux. Voilà. Tac, tac, tac. Juste un, deux, trois, bam. Voilà. Ah, c'est bon, là? Hein? Ça va? Hop. Allez, fais voir ta tête. Viens, viens là. Viens là, ramène ta face. Bon, j'y vais, tu lui fais bouffer, s'il te plaît. Et moi, je fais comment? Mais je sais pas, tu te démerdes, je suis pressée, là. Mais non, c'est mort, j'ai un truc important à faire, je te dis. Mais moi aussi, j'ai un truc important à faire. C'est quoi, je finis de le doucher, je te rends. Viens. Ah non, 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 putain, tu fais chier, on avait convenu. Vas-y, commence pas à me casser les couilles, s'il te plaît, là. Il est là, Abbas? Abbas, il est vert. Il est dans? Attends. Il est de moi, tu sais. Ouais. Non, non, pour jeudi. Ouais, jeudi, c'est bon. Ok, allez, ciao. Ça va? Ça va, toi? Il reste encore beaucoup ou pas? Non, j'ai fini. T'as bientôt fini? Ah, c'est bon. Fini. T'as mangé? Non, mais ça va, t'inquiète. Viens, viens, viens. Tu vas manger. Merci. Ouais, merci. Moi, j'aimerais bien être à ta place, en vérité.
C'est beaucoup de boulot, hein. C'est ça. Ça, là, ce que tu vois. C'est pas comme ça. Quand ça marche, tu sais qu'il y a des gens qui sont contents pour toi. Il y en a, ils se disent, ah là là. Lui, il a de la chance, hein. Moi aussi, j'aimerais bien manger un petit peu, comme lui. Il va le croquer. Quoi, t'as des soucis? Alors toi, tu veux travailler alors? Comme je t'ai dit, cousin. Hein? Je veux faire de l'oseille. Tu veux faire de l'oseille? Ça veut dire que t'es prêt à tout? C'est ça ma question. Pourquoi je suis là? C'est ce que tu vas faire. Tu vas trouver une petite voiture. Tu la gardes bien. Et tu la mets en règle. D'accord? Vas-y, construis-moi. Après, je t'explique. Bonjour. Bonjour. Il est là, Karim? Karim! Ouais? Il y a quelqu'un pour toi? Ok, j'arrive. Tu vois ici? Ah, tu vois, je suis venu voir mon grand frère. Ah ouais? Bah ça y est, tu m'as vu maintenant. Cinq minutes? Tu veux pas que je travaille, hein? Non ou pas? Vas-y, avec ça. C'est maintenant que tu viens? Je viens peut-être de sortir. Non, ça fait une semaine que t'es sorti. Ouais, alors, je voulais pas déranger. Tiens, il faudra en racheter. Bon, direct au but, tu veux quoi, là? Ah, j'étais là, je passais dans le coin. Ah ouais, par hasard? Karim, c'est bon, t'as pu checker pour la scénique? Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. C'est réglé. Alors, t'as des projets? Non. Non? T'as pas un petit braco en vue, là? Je sais pas, une petite escroquerie? Ouais, c'est ça, très drôle. Vas-y, arrête de faire la hagar, s'il te plaît. Là. Alors, tu comptes faire quoi? Bah je sais pas, j'en sais rien. Bah dis-moi toi, monsieur parfait. T'aurais pu faire n'importe quoi, espèce de petite merde. T'avais du talent. Quel talent? C'est très bien que ça mène nulle part tout ça. Ouais, c'est vrai, t'as raison. De toute façon, la fin, tu la connais. Wallah, tu la changeras pas. Vas-y, je voulais te demander un service. J'ai besoin d'une caisse. Quoi? T'as besoin d'une caisse? Après tout ça, tu viens ici juste pour me demander une caisse? Ouais, mais c'est pas pour moi. Attends, tu prends pour un con là? T'as besoin d'une caisse, pas pour toi, c'est quoi le délire? Ouais, vas-y, c'est bon, calme-toi là. Je devais emmener le petit à la mer, il arrête pas de me demander. J'ai envie de le faire kiffer, c'est tout. T'as envie de le faire kiffer? Ouais, je te jure, c'est pour le petit. Continue à me prendre pour un con. Vas-y, s'il te plaît, Karim, rends-moi service. Enlève tes mains. C'est une épave, mais le moteur il est encore bon. Ouais, c'est bon, ça ira. T'en veux une? Non, merci. T'as de quoi faire le plein? Ouais, t'inquiète. Tiens. Oh, c'est bon. Allez, c'est bon, c'est pour le petit, c'est pas pour ta gueule. Oh, merci. Ça fait du bien. Au fait, Télias te réclame. Prends-toi de route, passe les voir à l'occasion. Encore une bonne droite, enculé, hein. Et je fais comment pour la sortir, la voiture, là? Tu te démerdes. T'es en retard, mec. Wesh, poteau, c'est comment? Mais qu'est-ce que tu fous, là, toi?
Putain, me dis pas qu'ils t'ont mis sur le coup. T'inquiète, mon frère, je gère le business. Mais tu gères rien du tout. Je t'ai dit de pas te mêler de tout ça et toi, tu débarques. Eh, tranquille, la famille. Hein. Voilà que j'ai grandi. Hein. Pendant que toi, tu dormais en zone, t'inquiète même pas le level que j'ai pris. Quel level? Oh là là. Ouais, t'es calibré ou quoi? Excuse-moi. T'es vraiment un gamin. Vas-y, range-moi ça. Je t'avais dit de pas te mêler de tout ça. Ah, fais-moi confiance, je t'ai dit, je suis plus un gamin. Tu me fais confiance. Je t'ai dit, tu m'as pas écouté. Je t'ai dit de pas te mêler de tout ça. Vas-y. T'as rien dans le crâne. Ouais, t'as rien dans le crâne. Ok, ok, c'est bon. Vas-y, laisse-moi venir, on va faire notre bail et c'est bon. Et je te préviens, c'est la première et la dernière fois. Ok, vas-y. Bah, vas-y, toi. Vas-y, parle-moi bien. Et je crois qu'on va rester à piaf dans la voiture, vas-y. Alors, on va chier de la vie. Eh, les pizzas sont chaudes, y'a plus qu'à livrer. Théma. Eh, la vie de ma mère, ouais. Eh, ils nous ont découvert. Regarde, Théma. La spéciale, mon couillon. Théma, c'est de la frappe atomique. C'est de la patate, la vie de ma mère. Ouais. Ouais. Vas-y, ta gueule. C'est un pot, non. Vas-y, ta gueule, c'est-tu. Ouais, ça me fait plaisir. Ceux qui bougent, pas pour ceux qui quittent. Ouais, ferme ta gueule, je te dis, zombie, là, oh. Vas-y, c'est là. Écoute-moi bien, tu me laisses gérer, ok? Vas-y, fais ta vie, je fais ma vie, je sais très bien ce que j'ai à faire. Tu sais rien du tout, tu fermes ta gueule, je t'ai dit. Tu me laisses parler. Vas-y, t'inquiète, ça va bien se passer. Ouais, si t'arrives là. Eh, mais sur la tête d'un macron, attends, je vais t'enculer, sur la vie de ma mère. Sur la vie de ma mère, c'est ça le gamin. Je suis pas ton petit, je t'ai dit. Eh, sur la tête de ma grand-mère, je vais te fumer. Espèce de pédé, va. Sur la tête de ma mère, je vais te fumer. Je vais te fumer, espèce de pédé. Voilà, je vais te fumer. Vas-y, tire. Voilà, je vais te fumer. Vas-y, t'es un bonhomme, vas-y, tire. Vas-y, tire. Tire. Espèce de pute, va. Espèce de pédé, va. Sale tapin, va. Sale tapin. Vas-y, les monte dans la gova. Ce qu'il te faut de plus, là, on a. Monte dans la gova. Culé, va. Tu mets dans la merde, moi, comme ça? Ça va culer, va, t'as tout niqué! T'as tout niqué! On a laissé dans le truc, on leur a montré c'était qui les bonhommes, là, ces fils de pute! Moi, je te dis, je vais aller loin! Vas-y, monte! Je suis pas ton petit, moi, je te dis, je suis pas ton petit! Ferme ta gueule! Je suis pas ton petit, vas-y, me casse pas les couilles, me casse pas les couilles, vas-y! T'as voulu faire le grand? Vas-y, gère ton truc, maintenant. Ok? Lâche-moi! Gère ton truc, j'espère! Tu fais le grand, vas-y, fais le grand! Tiens, chef, c'est bon? C'est quoi ça? T'inquiète pas, il est au courant en face. Non, t'inquiète pas, regarde. Appelle-le. Dis-lui, c'est un cadeau de Rachid. T'as vu, c'est pas difficile, non? Hein? Regarde, c'est bon. Vas-y, viens, je connais
s'il te plaît. Hey, s'il te plaît. Hey. Vas-y, raconte alors. Oh, c'est. C'est qui t'a dit de t'asseoir? Je te dis, raconte-moi, toi tu t'assois, tu t'installes, tu fais comme si t'étais à la maison, quoi. Je peux m'asseoir? Non, raconte, raconte. C'était. Tu vois, quand on arrivait. Ah, vas-y, vas-y, assieds-toi, parce que là. Tu vois, quand on est arrivé, Zahma, il y avait le Renoir, là, Zahma, voilà, pas crédible, pas sympa, il est arrivé. Direct, il m'a dit, tu vas faire quoi? Le mec, il t'a dit ça? Ouais, le mec, direct, il arrive, il fait, tu vas faire quoi? Moi, je le regarde comme ça, je dis, comment ça, je vais faire quoi? Après, il a commencé, Zahma, à s'exciter, ouais, on va vous niquer, après, il a surenchéré, on va vous foutre la hagra, on va vous niquer, vos mères, moi, ça m'a vénère, tu vois. Alors, j'ai marqué un temps d'arrêt. Regardez ça comme ça. Et là, j'ai pris la crosse. Et bim, je lui mets un coup, ce fils de pute. Je lui ai niqué sa mère à ce fils de pute. Voilà, après l'autre Sam, il est arrivé. Voilà, on les a baisés. Bam, coup de crosse. Tac, tac, tac. On les a défoncés. Voilà, après, ils étaient en sang par terre. Voilà, après, ils sont devenus des petites salopes, des petites suceuses. Ils étaient, ah ouais, arrêtez. Voilà, après, je me suis dit, voilà, comme ils se sont rabaissés, ils ont voulu nous tester. Moi, j'ai dit, moi, c'est comme ça. C'est ma devise, c'est joue pas le foot, t'es pas fou. Voilà, joue pas le fou, t'es pas fou. Tu joues le fou, on te nique ta mère. On leur a niqué leur mère, et c'est pour ça qu'on a. Et puis je te montrais qu'on était des bonnes, on t'a ramené le tosma et l'oseille. Comme ça, on est bien. C'est passé comme ça? Hein? C'est mon mec sûr. C'est mon mec sûr. Ah, comme je t'ai dit. Tu me casses les couilles, Rachid, je t'ai déjà dit! Putain! Écoute-moi, Rachid, on a déjà parlé plusieurs fois. Même Hakim, il t'a dit. Même Ali, t'en a parlé. Et toi, tu fais toujours les mêmes conneries. Je sais pas ce que t'as dans ta tête. Je l'avais dit, moi. Je lui ai dit à Abbas aussi. Je lui ai dit toute la soirée. Je lui ai dit, j'ai arrêté de m'embrouiller avec lui. Viens ici. Tu réfléchis quand je te parle, quand je te dis quelque chose. Tu comprends ou pas? Ouais, c'est bon. Quoi, c'est bon? Quoi, c'est bon? J'ai dit quoi? J'ai compris. Hein? T'as compris quoi? Casse-toi. Vas-y, dégage. Va donner ton argent. Tu te casses. T'as compris? Ah, j'ai compris. Bon, vas-y, dégage. Hakim. Oui, Abbas. Non, tu bouges. Bouge. J'ai un petit problème avec les flics. Ah ouais? Et qu'est-ce qui se passe? On a repéré la petite balance, là. On sait qui c'est maintenant. Sérieux? Ouais. Moi, j'ai demandé un petit service. J'aimerais que tu me trouves un ou deux cas. Bien. Hein? Ouais, ok. Et tu me nettoies tout ça, tu me fais un truc bien, bien propre. Que j'ai pas la merde derrière, que je sois pas obligé de repasser nettoyer, tout ça. D'accord ?
T'as une idée des mecs que tu vas trouver ou pas? Ouais, j'ai un gars, je pense, un gars, t'inquiète. Il est bien? Ouais. Bon, vas-y. Par là, qu'est-ce qu'il y a? Viens par là. Vas-y, c'est bon. Ferme ta gueule, viens. Vas-y, avance. Qu'est-ce que t'as, mon frère? Tu tires une gueule, on dirait que t'es pas content de nous voir. On a les postes là-dessus, on va discuter. C'est quoi votre embrouille, là? Pourquoi tu balises? Trois potes. Que je me fasse buter ou quoi? Arrête ton cirque, pense à ta petite pute et à ton business. Tu cherches quoi, hein? Tu veux retourner au placard, c'est ça que tu veux, hein? Vas-y, enlève ta main, toi, vas-y. Vas-y, je te dis, touche plus à tout ça, là. Dieu, mets-toi tranquille, reste tranquille. On est sur une grosse opération. Je veux tout savoir. Tout. Ses plans, ses gaffes, ses maîtresses, tout. Tu m'entends? Allez, viens, on se casse. Allez, Sam, n'oublie pas, ça urge. Dépêche-toi, hein. N'oublie pas, camarade, hein. Vas-y, casse-toi. J'ai trop vu, tu vois. Ta mère, fils de pute. Wesh. Ça va? Il fonctionne pas, Bruno Sang. T'as mangé? Ouais, j'ai mangé. Ah ouais? Et t'as mangé quoi? J'ai mangé des bonbons, des gâteaux. Ouais, c'est pas manger ça. Attends, je vais voir ce qu'il y a, j'arrive. Des chocolats. À bouffer, tu veux pas aller faire des courses là? Oh, je te parle! Tu fais jamais les courses ici ou quoi? Ça va, c'est bon? Hein? Oui, c'est bon. C'est encore chaude? Non, c'est pas chaud. C'est vrai? T'en veux des autres? Elle joue, elle est pas moi. Hein. Non, elle est pas moi. Comment ça, elle est pour toi? Attends, tu vas voir. C'est quoi? Regarde ce qu'il a dans la gueule. Regarde. T'as vu? Ça fait alors, la forme? Alors bien. Tranquille et toi? Ah là là, je suis content, on m'avait dit que t'étais sorti. Eh ouais, on est là. Ça fait plaisir que tu fasses voir la femme. Toi, t'as pas changé ma gueule, hein? Non, bah t'as vu, moi, je m'en lâchais, ça fait 6 mois. Ouais. J'ai repris les bonnes vieilles habitudes, tu vois. Ouais, t'es sur terre, tranquille. Les petits soldats, ils sont là. Ouais.
Et à quoi, il y a eu des histoires depuis ou pas? Je te rappelle de Sofiane. Sofiane la crête là. Ouais. Ah, il s'est fait soulever par une équipe de Grigny, je crois. Non. Ouais. Ici là? Ouais. Ah, ils sont venus chercher jusque là parce qu'il avait forniqué avec la petite sœur d'un des grands de l'Arabe. Ils ont fait quoi? Ah, il s'est fait monter en l'air. Tu vois le panier de basket là-bas? Ouais. On l'a retrouvé la tête dedans, frère. Ils l'ont monté, ils l'ont posé comme s'ils avaient dunké avec la mise. Ils l'ont fait là. C'est sérieux? Après, voilà, tu connais ces histoires-là, on rentre pas dedans. Ah, mais écoute, en vérité, je suis venu voir pour un truc précis. J'ai besoin de monter une équipe. Il y a des mecs sérieux, frère. Parce que c'est un truc chaud, ça va être du lourd. À l'ancienne. Si t'es OP, si t'es toujours là-dedans. Ah, si c'est pour toi, on ride ensemble. C'est vrai. T'inquiète pas, moi je te dis. C'est toi, c'est comme ma famille, tu vois. Vas-y, arrête-toi, c'est là. Vas-y, c'est le mec qui est devant là, avec le cul en train de fumer sa clope. Attends, mais t'attends quoi? Il est là, t'as le tarpé, il est chargé ou pas? Ouais. Vas-y alors, tu t'attends. Putain, je te crois pas, tu battras. Vas-y, passe-moi ça là. Vas-y. Vas-y, dépêche-toi. Vas-y, dépêche-toi, dépêche-toi. Salut. Tu vas cracher ici encore longtemps? Avec un temps, le petit vient de se coucher là. Tu prends un daron là? Hein? Bah, vous, ça te fait kiffer en fait, hein? Je sais pas. Ça va durer combien de temps encore? T'inquiète, je vais te ramener de l'oseille. Ouais,
Laisse-moi juste un peu de temps, c'est tout. Comme la dernière fois. T'es où, là? Non, putain, mais va dans ta chambre, là, je t'ai dit, va dans ta chambre. Qu'est-ce que je t'ai dit, là? Non, je peux pas, là. Non, je te dis que je peux pas, là, putain. Putain, arrête, mais t'as plus de couilles ou quoi? Putain, je t'ai dit d'aller te coucher, là. Dégage. Je te dis, t'es aussi gros que ton père, toi, dégage. Dans ta chambre, je t'ai dit, dans ta chambre. Arrête. Quoi? Hé, mais calme-toi, tu vas te faire flipper, là. Tu vas te faire flipper, là. C'est mon gars, je fais ce que je veux, t'as compris? Tu te prends pour un père, hein? C'est ça? Mais il est où le tien d'abord? Jusqu'à 200 kilos, 300 même sur le vas-y, assieds-toi. Les gars, je vous présente Sam. Tiens, pousse-toi un peu. Tu connais mon frère Ali? Ouais, je l'ai déjà vu. Bon boulot, hein. Sartik. Hafid, qui est spécialiste dans les transports. Et justement, là, Hafid, il a une petite commande de Père Noël, là, bientôt. Et on a pensé à toi. Hafid, qu'est-ce que tu penses si on met Sam un petit peu en gérance là-dessus, sur cette affaire? Si t'es OK avec lui, moi ça me va. Allez, les gars, on boit un verre pour ça. Ouais. Allez, je te sers ouais. Ça. Whisky, comme d'habitude. Voilà. Vas-y, donne-moi les termes. Comme je t'ai dit, on a d'autres projets pour toi. D'accord? Et dis-moi, avec le... ton copain, là, Zama, là, il a une sale gueule, là. Il est fiable au moins, là? C'est encore un rigolo de la cité. Eddie? Je sais pas, Eddie, là. On peut lui faire confiance, il est fiable. Je vous ai dit, c'est comme la famille, lui. On parle pas trop, ça va? Non, non, compte sur moi. On a eu des problèmes avec l'autre, là. Rappelle? Ouais. Rachid. Il était bon, lui. Tu sais que tu mets ta vie en jeu? Mais écoute, Mahbabek, hein. Bien sûr. Allez, gars. Allez. Sam, bienvenue parmi nous. Thank you.
C'est qui, toi? Vas-y, faut que je parle à Julie, là. Elle veut pas te parler. Vas-y, frère, faut que je dise un truc. Vas-y, vas-y, je t'ai dit quoi? Elle veut pouvoir ta gueule. Reste tranquille. Vas-y, casse-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Vas-y, dis-lui d'aller se faire foutre à ce connard, là. C'est bon. Ah ouais? T'as entendu? Vas-y, bouge. Hey, écoute-moi bien là, porte ta gueule d'ici là. Ah ouais, tu fais chaud parce que t'as un couteau? Bon, tu fais ce que t'as à faire, je m'occupe des autres. Vas-y, celui qui est dos, c'est le mien. Alors, espèce de fils de pute, toi tu m'empêches de voir mon gosse, toi? Hé, tiens-moi ça. Viens là, écoute-moi bien, fils de pute. Écoute-moi bien. C'est la dernière fois que tu vas dans le secteur, ok? Ok. T'as compris? C'est bon. T'as rien entendu? Ok. Petite pute. Baisse-le, cet enculé, là. Comment ça? Faites même pas les mains. T'as moins de couilles sur le couteau, là. Bouge pas, reste mignon, toi. Reste mignon. Sur mon terrain, mon frère. Vas-y, trace ta route, casse-toi. On de la pierre, vas-y, viens. On va fumer 2-3 tards, on va boire un verre. Viens, on va se poser là-bas, de l'autre côté. C'est qui avec toi, là? Vas-y, c'est la famille, t'inquiète. Et derrière? Hein? Bassim Daibi, vas-y. Vas-y, la famille, t'inquiète. Il démarre. Tu veux chisser? Vas-y. Viens, toi, crapule. Moi, la dernière fois, t'as vu, je dis peut-être j'ai déconné, tu vois. Sans chier, j'ai déconné. Mais vas-y, t'as grave déconné, t'as que dalle, toi. Tu sais comment c'est, tu vois, t'as envie de... Voilà, depuis que mon frère est le Hebs, moi, j'ai envie de monter, tu vois. Je suis habitué à l'argent, moi, je fais ça pour m'en sortir. Après, j'ai peut-être déconné avec la meuf, mais après, il a abusé. Après, moi, je veux... Moi, je te dis, fais-toi tout petit. La vérité, moi, je les ai entendus parler la dernière fois quand t'es parti, ils m'ont dit... T'es tricard, mec. Moi, je te dis, t'es tricard. Ouais, mais... Faut que tu m'aides. Tu veux que je t'aide de quoi? J'ai voulu t'aider. Je t'ai dit, fais attention, on va faire le match. Tu fais le par jour, là. Ouais, mais on a grandi ensemble. On a grandi ensemble, mon frère, il t'a fait croquer. Maintenant, toi, tu vas me faire croquer. Si Abba, c'est pas grave, ça marche pas, je vais me faire discret. Quelque temps, tu me dis, je taille même au bled. Si tu veux, demain, je taille au bled. J'ai ouais, 3 semaines. Taille au bled demain, je te dis, taille au bled demain. Je vais tailler, il n'y a pas de problème. Je passe au consulat, je fais mon passeport, je me taille. Mais après, quand je reviens, on fait des affaires ensemble. On n'a pas besoin d'Abbas. Vas-y, toi. Après, je me ferai plus discret, je ferai moins le ouf, mais voilà. Ouais, frère, il y a déjà plus de tease là. Mais tu casses les couilles, y'a que toi qui bottes tout à l'heure. Alors, vas-y, on va aller racheter des trucs. Ouais, aller racheter de la tease. T'as du bif? J'ai juste de moi de l'oseille. Fous de ma gueule ou quoi? Je t'ai fait des 40 balles tout à l'heure. Où sont les 40 balles? Les taïbous, ça y est, y'a plus rien, mon frère. Vas-y, donne-leur de l'oseille, Rachid, là, qu'est-ce qui t'arrive? Tiens, je te file 40 balles, c'est bon? Il y a juste rajoute 10 balles, parce que je lui ai fait un chrome à l'autre côté, là, j'ai encore 10 balles. T'es sérieux? Tu crois que je vais payer? Moi, je vais payer. C'est moi qui vais assumer tes chromes. Soir ce, assure-moi. Un main deux, tu me les assures, les 10 balles. C'est 40, c'est pour moi, les 10 balles, la vie de ma mère, tu me les rends demain. C'est calme. 32,64. Vas-y. Je vais quoi? Casse les couilles, il est au là. Voilà, tu peux me faire confiance. Hein. Je te fais pas confiance. Et tu sais pourquoi je te fais pas confiance? Parce que t'as un gueda. T'as un gueda, on va faire un truc normal, on doit échanger un truc contre un autre truc. C'est le business, c'est comme ça, c'est un taf. Et toi, tu viens, tu fais ton malade. T'inquiète, wallah, je t'en veux pas. Laisse le mettre, t'as fait mon wallah, t'es comme un grand frère pour moi. Vas-y, t'inquiète, je vais seb, ça reste. Bon, tu vas voir, on va s'en sortir, la vie de ma mère.
Là, ils me prennent pour un pied, tu vois. Hé, toi là, viens voir. Wesh, t'arrêtes toi. C'est Sam. C'est qui? Samy. T'as vu l'heure qu'il est là? T'es venu faire quoi là? Bah tu vois, je me suis trompé de route, je suis venu. Vas-y, rentre. Rentre. Ça va ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Sam? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que... Hé, dis-moi, regarde-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Quoi, dans la merde? Juste dans la merde. Ici à 2h du matin, bourré, et t'as rien à me dire. Vas-y, parle, Zébé, putain. Je veux pas te mêler à tout ça. Tu m'as mêlé déjà. Il se passe quoi, Sam? Parle. Je serai jamais un bon père comme toi. C'est ça que tu veux savoir, que je suis une merde? Hein? C'est ça, ça te fait plaisir? Non, c'est pas ça que j'avais. Hein? C'est pas ça que j'avais. Je sais pas, j'ai l'impression que tu me juges tout le temps, là. Je te juge pas. Tu me dis que je suis pas un bon père. Tu sais ce que c'est pour être un bon père, c'est quoi? Le béaba, c'est de s'occuper de son gamin. Tu t'en occupes de ton gamin? Tu le vois? Tu le sors? Ah là, je me suis rapproché de lui, je suis sorti un peu avec lui, tout ça. Et j'ai l'impression que je serai jamais son père. C'est pas comme ça, un père. C'est pas juste arrive, voilà. Tu fais trois trucs avec lui et c'est bon, quoi. Ouais, si tu traînais moi avec les ramassis de fils de pute avec qui tu traînes, toxico de mes couilles, là. Je te dis. Moi, c'est trop tard, j'ai passé la limite, ça y est, c'est... Non, toi, t'as décidé que c'était mort. C'est pas mort. Je peux pas revenir en arrière. Non, c'est parce que tu t'en bats les couilles, t'as pas envie. T'as pas envie. Tu crois que c'est un claquement de doigts, c'est comme ça, les choses. Non, mon frère, il faut assumer. Que tu fais là, tonton? Oh, ma puce, on t'a réveillé? Oui, j'ai entendu te bruit. Oh, je suis désolé, c'est papa qui fait des bruits. Regarde, tu sais ce qui ferait plaisir à tonton? Non. C'est que t'as lui faire un gros câlin. D'accord. D'accord, et après tu retournes te coucher. D'accord? Allez, vas-y. Fais vite. Bonjour, ça va, ma belle? Oui. Désolé de t'avoir réveillé. Pas grave. Bon, allez, va te coucher. Ça y est. Oui. Allez, viens, on est reparti. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Salut. À demain. À demain. Allez, au lit, on est reparti. Vas-y, barrez-vous là, qui c'est?
Calme-toi, on va t'expliquer. Calme-toi, vas-y, lève ta main, c'est bon, je vais pas bouger, je suis attaché, t'inquiète. Calme, tu restes tranquille. Vas-y, c'est bon. Vous touchez pas là, c'est chez moi. C'est moi qui pose des questions. Vous faites quoi chez moi là? À ton avis? Je sais pas, c'est pas chez lui, hein. Et pourquoi vous faites ça? Oh, de conneries, qu'est-ce que vous voulez? Toi, t'as fait quoi? Fais, c'est bon là, c'est bon, j'ai rien fait. C'est quoi? Merde, c'est pas chez moi. Laisse-moi. Mais t'es les mots de la chambre. Lâche, viens là, toi. Tu fais ça chez nous devant nos gosses. Chez moi ici. T'as pas honte? Ah, allez, c'est du gâteau, c'est ton problème. T'entends? Merde, c'est moi. Alors, je t'écoute. Qu'est-ce que vous foutez ici? Eh ben devine. Parle, je suis revenu pour toi. Ben, je sais pas, moi. C'est à toi de me dire, non? Ah, tu sais pas. Alors moi, je te demande d'être encadré sur Abbas. Et toi, tu butes un type qui travaille pour nous. T'es complètement con, hein. Je suis pas au courant. T'es pas au courant. Arrête de te foutre de notre gueule, là. Je suis pas au courant, je te dis quoi? T'as des preuves, toi? Toi, t'as des preuves? Dis-moi, un meurtre, tu sais ce que ça coûte? 20 piges. C'est ça que tu veux? Je m'en bats les couilles. Ah, tu t'en bats les couilles? Ah bah si tu t'en bats les couilles, alors... Allez, embarquez-moi ça. Moi, j'ai tué personne, ok? Ça suffit pas, bonhomme. Ça suffit pas. Et Abbas, je peux te le donner. C'est ce que tu veux, non? Abbas. Ouais. Bon. Combien? Je t'ai dit, 550, 600, il y aura tout le monde, voilà, tu veux quoi de plus? 550 ou 600? Je sais pas, tu crois que je suis un comptable, ils m'ont dit qu'il y aura une grosse quantité, voilà. Vous verrez sur le moment, quand vous sauterez les gars. C'est bon pour toi? Hey, doucement, fais pas de combat, s'il te plaît, vas-y. Tais-toi. Bon. C'est pour quand ton truc là? Je t'ai dit, c'est pour bientôt, laisse-moi juste un peu de temps et c'est vite. Ça. J'espère que ça va marcher. Parce qu'après c'est fini, hein. Je parle plus de couvrir, moi, c'est fini. C'est bon, je peux y aller, là? Ouais, tu peux y aller. Vas-y, enlève les pinces. Vas-y, dépêche-toi. Vas-y, tu t'es toujours mal, obligé de jacter comme ça, toi? Sûr? Tiens, prends ça, petit cadeau. C'est quoi, ça? Des fois que tu te perds. Vas-y, c'est bon, passe, passe. T'as de la passe, vas-y, passe. Qu'est-ce que tu dis? Bien. Bien, et toi? Vas-y, tu m'as fait venir ici, tu veux me dire quoi? Tu te parles d'un truc, t'as vu? Bah, vas-y. Bah, tu sais que dans le quartier, je suis au courant de tout, ma gueule. Ouais?
Je comprends pas, t'as pas un truc à me dire là? Je sais pas. Bah vas-y, ton pote, on dit quoi, couche. Je pensais que tu me dirais les choses, putain, depuis le temps qu'on se connaît. J'ai appris que les keufs, ils avaient pété la porte de chez ton frelon. Donc j'aimerais savoir s'il y a un problème avec les keufs. Mais c'est pas tes affaires, ça. Tu rigoles, là? Comment ça, c'est pas mes affaires? Là, écoute-moi bien, toi. L'autre jour, tu m'as appelé pour qu'on aille dessouder un type. Je l'ai fait sans rechigner, d'accord? Maintenant, je retourne pas au Star, moi, pour qui que ce soit, ok? Je risque plus de 20 piges, là. Donc s'il y a une histoire avec les keufs ou quoi que ce soit, ils sont sur ton dos, il faut que je sache ça, tu comprends? Faut que tu t'arraches, ici. Ils vont sauter tout le monde. La putain de ta race. T'as mangé chez ma daronne, enculé, on se connaît depuis 15 piges, 20 piges, 20 piges. Je porte les courses de ta mère, moi. Et tu me dis ça? Tu galeries. Non, j'ai merdé, j'avais pas le choix. Voilà, j'avais pas le choix. Dis-moi que tu galeries, comment ça t'avais pas le choix? C'est taïf, ça. Comment ça t'avais pas le choix? Eh, tu sais quoi? M'adresse plus jamais la parole, sale nom de pute, voilà. Eh, je veux plus entendre mon blas sortir ta bouche, t'as compris? Sale pute, voilà. Ah! Allez, viens. T'es avec moi. Viens. Ça va? Ça va? Oui, ça va. Tu me fais confiance ou pas? Je te fais confiance. Là, je vais aller chercher maman et je vais revenir avec elle. D'accord. Je te le promets. Je t'appelle tout à l'heure. Pardon? J'ai un truc à faire, je t'appelle tout à l'heure. Un truc à faire? Ouais. T'as rien à me dire? Quoi? Rentre, j'ai dit quoi? C'est Mouloud, il arrive. Sam, tu vas un peu d'eau? Toujours ouais, à Mouloud. Non, Mouloud, il arrive. Il descend peu à Paris, directement, il va à Saint-Denis, il va dans un bordel. Non, il n'y a pas une Karima ici. On fait, ouais, on a une Karima, bon. Présente une Karima top modèle et tout. Vas-y, il monte, il fait son truc. Et il fait combien que c'est? Il fait, voilà, c'est 100 euros. Le mec, il finit, tac, il me donne 200. Il fait, ah, c'est super gentil, normalement c'est 100 euros, mais bon, 200, bon. Pareil, toute la semaine comme ça, 100 euros, là, le mec royal, il paye 200 euros le dernier jour. Et il fait, voilà, c'est mon dernier jour. Et ben, il s'éclate, il a déchiré dans tous les sens, il lui laisse 500 euros. Alors il fait, mais dis-moi, t'es trop gentil, dernier soir en plus 500 euros. Il fait, attends, t'es bien Karima? Ouais, Karima Ben Salem, oui, tu habites à Alger? Il fait, ouais, oui. Bah, c'est ton père, il m'a donné 1500 euros pour te les donner. Bon, Non, c'est la merde là. C'est la merde, ça. Alors tiens, j'en ai une autre, tu la connais pas? Ben, je les connais, tes histoires. Alors, laisse-moi raconter. Allez, laisse-moi. Toi, Hafid, tu les connais pas, vas-y. Quoi, je raconte tu pas, sais, je lui, raconte non, pas. Non, Hafid, je te dis un truc. Tu m'as niqué, lui, la soirée. Chaque soir. Non, je t'ai rien niqué. Attends, du tout. Allez, arrête, allez. Tout le temps, non. À chaque fois, tu monopolises. Laisse-le parler. Non, c'est Francine, une Française. C'est pas un truc de Karima ou un truc. Commence pas à me saouler. Je raconte ou je raconte pas? Vas-y, raconte. Donc, c'est Francine, elle arrive, elle voit deux. Mais c'est une Française, hein, que tu ne confonds pas avec les gens de chez nous. Donc, elle arrive, elle voit une queue, des gens, ils attendent, elle voit banque de sang, banque de sperme. Là, les gens, ils font la queue, elle lui donne 100 euros. C'était Karima, là. Non, c'est pas Karima. Et où il y a les mecs, c'est 200 euros. Ah, tiens, moi, je vais pas faire là-bas le sang, je vais aller au sperme. Elle fait la queue avec les mecs. Il arrive son tour, on lui fait, hey, madame. Et tu voyais pas, c'est marqué pour les hommes. Vous, c'est là-bas. Elle s'en va. 10 minutes après, elle revient, elle fait la queue encore une fois chez des hommes. Le mec lui dit, hey, on vous a dit qu'ici, c'est banque de sperme, c'est pour les hommes. Il fait... Dégueulasse. T'as toujours des blagues dégueulasses. Non, mais... Non. Elle est bonne. Il a pas connu celui-là. Ouais. Tu la connais pas celle-là. Moi je t'ai entendu celle-là. Hein? Celle-là elle était bien. Mon frère vient d'en sortir une. Elle est bien. Mais attends, Khoya, c'est pas fini. C'est là toute l'année, je vais te raconter. Non, c'est bon, attends. Ça va, t'es prêt pour le grand jour? Ouais, carrément, je suis prêt, ouais. Tu sais que c'est pour demain? Ouais. Quoi, ouais? Ah, demain, je suis là. Tu fais toujours ça avec Eddie? Ah, Eddie, c'est mort. Il a chopé un truc, là. Il est cloué au lit. Ah, il est cloué au lit. Ouais, il a mangé un truc et, je sais pas, intoxication alimentaire. Il est parti à l'hôpital, ils ont lavé l'estomac. Il est pas bien. Ah, il est pas bien, ouais. T'as vu? Eddie, il est malade. Ah. T'as demandé de nous raconter une histoire drôle, pas de nous prendre pour des baltringues. Ouais, moi, je vous prends pas pour des baltringues. Non, mec, tu nous racontes, là, Sam. Il est vraiment malade. Eddie, il est malade.
Je te jure, c'est pas une blague à base, il est malade. Ben, pourquoi tu me l'as pas dit avant? On va te mettre un noga, c'est pas grave ça. Parfait. Bon, très bien. Ce qu'on va faire, on va prendre des nouvelles de Eddie. Ah mais te prends pas la tête, je te dis, il répond pas au téléphone. Donc je l'étais avec lui tout à l'heure, il répond pas, je te jure, ça sert à rien de l'appeler. Non, non, on va prendre de ses nouvelles, Sam. Qu'est-ce qu'il y a? Il est malade. Tiens. Vas-y, appelle-le. Tu dis d'appeler, appelle. Mais je crois qu'il a pas pris son téléphone avec lui. Je l'appelle moi alors. Tu préfères que j'appelle moi? Non, vas-y, donne, je vais l'appeler. Vas-y, appelle-le. Bouge pas! Bouge pas! Reste là! Reste là! Bouge pas!
Eh, hey, c'est bon, ça va, ça va. Reste là. Eh, j'arrive à me fuser, j'arrive à me fuser. Putain, je suis seul. Je suis seul. Ah, c'est bon. Tu vas là où il y a le canal. Hein. Tiens-le bien. T'as vu ce qu'on a fait à ta petite pute, là? Hein? Ben, on va te faire pareil. On prendra la petite rue à gauche, après. Je vais tout vous expliquer. Ferme-la, ferme ta gueule. Tu sais comment on appelle un mec qui parle condé? Tu connais pas, putain. Hein? Papa, s'il te plaît. Entendu les gars? On m'a dit déconnez pas. T'as voulu me doubler, espèce d'enculé, va. On peut se ranger à base, je ferai ce que tu veux, je te jure. Attends, attends. Vas-y, règle-lui son compte, ton cul. Non, mais ça va! Pourquoi tu fais ça à moi? Mais je sais pas, je sais pas. Allez, mais je sais pas. Enculé! Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, arrête! Arrête pas le temps! Quoi, arrête-moi? Hein? Arrête! Arrête! Tiens! Tu veux me moucher, moi? J'avais pas le choix, putain! T'avais pas le choix, espèce d'enculé, va! Allez, garde-toi! Tiens! Comment ça? Tiens! Je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi, moi, s'il te plaît, frère? S'il te plaît, frérot! S'il te plaît, frère! S'il te plaît! Tu sais ce que c'est, ça? Hein? Mais je te passe voir? T'es sûr, y'a personne là, lui? Tiens! Lâche-moi! Ta langue de pute, là! Tu sais ce qu'on va en faire, ta petite langue de pute? Tout le tas, tout lui a fait! Lâche-moi! Voilà, je tiens! Lâche-moi, je te dis! Putain, je te rends, tu vas mourir! Il va mourir!